Nous allons enchaîner avec ce qui est la nouveauté de cette année, c'est-à-dire un ensemble de tambours. Jusqu'à présent, nous avions un ensemble de tambours qui se présentait lors des manifestations patriotiques, que vous avez peut-être pu le voir dans la ville. Et ils vont vous proposer pour la première fois, puisque cet ensemble relais, il existait depuis une quinzaine d'années, mais il était tombé... Il était tombé un petit peu dans le trou, quoi. Donc, grâce à notre professeur de percussion, donc il a remis cet instrument au goût du jour, et il nous propose depuis le mois de septembre des élèves très studieux qui ont suivi des stages au sein de notre école. Et ils vont essayer de vous proposer quelque chose d'intéressant, puisque c'est une suite de rigodons. Ce sont des marches et des interprétations purement traditionnelles de l'école française du tambour. Et avec le jeu des Lumières Noires, ils vont vous proposer une suite de rigodons. Sous la direction, de nouveau, de Nicolas Melin, accompagné de notre nouveau président de l'harmonie et de la fanfare, René-Pierre Barberon, ainsi que Thierry Panhard, Charles Romanello, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc à quatre, ils vont essayer de vous faire quelque chose de très intéressant en un minimum de temps de travail. Et encore, bravo à vous. Bonsoir. Qu'à griller, mais si on pouvait griller celles qui sont sur le plateau, c'est bien aussi.
Et en début de deuxième partie, nous ferons autre chose. Je vous assure que cet instrument est extrêmement difficile. Curieusement, c'est plus facile de débuter à la batterie qu'à cet instrument. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes difficultés. À la batterie, il y a un travail d'indépendance, mais sur le plan technique, avant d'arriver à ça, il y a une paire d'heures à consacrer. Mais avec la volonté, vous voyez, ils sont très forts.